Et oui, vous n'hallucinez pas, ce n'est pas Scarlett. Certains sont là depuis les débuts, d'autres sont arrivés en cours de route, mais pour la plupart, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est Oriental. Oriental du Sud, mon poney. Le premier arrivé, et il restera jusqu'à la fin, comme tous mes chevaux d'ailleurs. Il est en retraite, parce qu'il a 22 ans. Ça fait un an tout pile, maintenant, qu'il est en retraite, qu'il vit sa best life en pâture, en troupeau, juste à côté des écuries pour que je puisse aller le voir tous les jours. Et ce spectacle, c'est mon dernier tour en piste avec lui. Alors, je vous laisse profiter de ça, soyez indulgents. Il est un petit peu raide, le vieux papy, mais il s'est éclaté. Et entre nous, on n'a rien fait de ce que j'avais décidé qu'on allait faire, mais on s'en fout, parce qu'on a kiffé, on a profité, et tant pis si on a fait que des grandes lignes droites au galop, c'est ce qu'il avait envie de faire. Maintenant, nous allons donc accueillir Marie sur le thème « L'envol du phénix ». Oriental est un poney français de selle et ils se sont rencontrés il y a 13 ans. Depuis, ils ont foulé autant de chemins de balade que de chemins de concours. Aujourd'hui, à la retraite, il présente son dernier tour de piste aujourd'hui. Le temps. Vous aviez le temps de le monter, vous n'avez pas le temps de le sortir. Et on donne quoi quand on n'a pas son temps? On ne renonce jamais aux chevaux, vous savez. Ça fait 10 000 ans que les humains tentent de dresser les chevaux. Chaque humain recommence avec chaque cheval. Le même travail, la même aventure. 10 000 ans pour le temps, 10 000 ans pour se relaire. Et pourtant, on continue à monter à cheval. Vous savez pourquoi? Thank you.
Voilà, c'était donc Marie et Oriental pour le thème L'envol du phénix. Et voilà mon pote, retrouve ton troupeau, fais-toi plaisir et surtout je te remercie vraiment pour toutes ces années de sport, de découverte, d'aventure, de remise en question. Cette vie-là, tu l'as méritée. Je l'ai cherchée tout le temps qu'on était ensemble et je l'ai enfin trouvée. Et non, c'est pas trop tard parce qu'au final, t'as encore plein de belles années à vivre et à profiter. Et ça, franchement, c'est génial. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu m'as offert sous la selle. C'était un bonheur de partager ça avec toi. J'ai appris que les obstacles, on pouvait les surmonter comme finir la tête dedans parce que t'étais pas toujours très facile. Mais pour autant, t'as toujours été un super ami et jusqu'au bout, je m'occuperai de toi. Je ferai en sorte que tu aies la meilleure vie possible. Et voilà, rien que pour ça, merci mon pote. Et merci pour cette dernière danse, c'était vachement chouette.